J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes dans la forme et j'espère surtout que vous êtes prêts pour cette One Up Box un petit peu spéciale les amis, parce qu'on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor, dans un nouvel endroit. Donc je remercie Laura pour le prêt de sa caméra, donc qui me permet d'essayer des nouvelles choses. Donc vous me direz si ça vous plaît, si vous préférez quand même qu'on reste ça devant le PC plus tranquille, ou que qu'on se promène, qu'on visite un peu, pourrait vous plaire pour cette boîte. Donc comme vous pouvez voir à ma droite, il y a très chère Mika là qui est posée au KLM, qui profite de la vie. Hein mon bébé chien qui profite de la vie. Je vous préviens d'avance, ça se pourrait que vous entendiez quelques petits bruits extérieurs, parce que ben on n'est pas tant à l'intérieur en fait, on est à l'extérieur à moitié. Donc possible que vous entendez une voiture, si un voisin décide de faire sa tondeuse, on va l'entendre, c'est génial, c'est la vie. Mais sinon ça devrait bien se passer. Donc vous pouvez voir à côté de moi se trouve la fameuse One Up Box. Donc c'est celle du mois de juillet. Donc j'ai été surprise, j'ai reçu assez tôt, j'ai reçu début août. Donc c'est un record, parce qu'actuellement je la reçois environ à la milieu du mois. Là je l'ai reçu vraiment au début. Donc je peux vous la faire plus tôt que d'habitude, même si vu que c'est la préparation des vacances, vous allez la recevoir à peu près dans la même période, mais c'est un détail. Donc on va pouvoir voir ce qu'il y a là-dessus. Et là malheureusement, étant donné que j'ai pas le PC avec moi, j'ai pas le thème et j'ai pas le prochain thème non plus. Je suis une championne. Yeah! Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous les amis. J'ai une très bonne nouvelle. Mon message au secours, mon SOS a été entendu. Et regardez qui sont de retour. Les ciseaux rouges! Les ciseaux rouges sont de retour grâce à ma petite soeur en fait, qui a vu mon appel au secours et qui s'est souvenue les avoir vus quelque part. Elle comprenait pas ce qu'ils faisaient là, mais elles étaient là. Elles étaient sur le haut d'une haute commode, donc moi qui suis pas assez grande, je pouvais pas voir par dessus. Et elle, je sais même pas comment elle les a vues parce qu'elle est environ de la même grandeur que moi. Mais c'est pas grave, donc l'important c'est qu'elles sont de retour. Donc aujourd'hui on va pouvoir se servir des magnifiques, des exceptionnels, des uniques ciseaux rouges. Ah Mika, regarde les ciseaux rouges! C'est cool hein? Oui, il dit, confirme, il sait bien les ciseaux rouges, il coûte pareil. Arrête de lécher tes papas, sinon je te coupe. Mais non, c'est pas vrai. Donc, j'ai pas d'outils aujourd'hui, j'ai vraiment dit, on va se focuser sur les ciseaux rouges pour l'ouverture de notre boîte au thème inconnu. Donc, non, on va y aller en mode poignard. On va apprendre une nouvelle façon d'utiliser les ciseaux. Vous prenez les ciseaux comme ça, et vous visez le chien. Non, je rigole. Vous touchez pas au chien. Pas touche au chien. On touche pas au chien. Donc, vous, comme dans toutes nos techniques, vous mettez la boîte comme ça, sauf que là, il va de ce côté-là. Comme ça, si vous passez tout droit, vous ne vous poignardez pas. Parce que si vous vous poignardez, c'est un peu la fin du monde. Enfin, de votre monde, pas du monde en soi, je veux dire. Quoique, on ne sait pas, en fait. Peut-être. Peut-être que si une personne meurt, un jour, le monde va exploser en même temps. Oh, ça serait fou, quand même. Bref, on fera des théories sur la fin du monde plus tard, on a une boîte à ouvrir. Et en mode poignard, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Oh, on arrive à quelque chose? Non, en fait, la boîte me fait semblant qu'on arrive à quelque chose. Oh, c'est bon. Il y a des bouts de papier collant qui sont tombés partout. Mais c'est un détail. Attendez. Ok, c'est ouvert. Donc, j'espère que la boîte sera bien ce mois-ci, parce qu'on va pas se cacher. Celle du mois dernier était un petit peu décevante. Bah, surtout pour moi, parce que je connaissais pas tant les thèmes. Donc, on verra pour ce mois-ci. Alors, on ouvre ça. Ok. Déjà, je bois de l'eau. Sachez-le. Bon, je vais aller chercher le thème. Alors, le thème, c'est faction. Donc, je vous le montre vite fait. Moi, je regarde pas parce que je veux pas voir le spoil des objets. Donc, le thème faction. Et je vois quelques trucs qui sont un peu bizarres. Donc, déjà, le t-shirt, on le met de côté. Ok, on va commencer par ça. Alors, c'est des pins, des petits trucs qu'on accroche de Marvel. Donc, ça doit être l'objet aléatoire du mois. Donc, il y en a plusieurs. Alors, attendez, peut-être que, je sais pas si... Attendez, je vais m'approcher, regardez, je sais me lever. Wouhou! Donc, il y en a plein, regardez, il y a même Groot. Là, il y a Groot. Ensuite, il y a qui? Il y a. Il y en a plein. Le trois quarts, je les connais pas parce que vous me connaissez. Mais j'ai commencé à regarder un Marvel, les amis. Vous allez pouvoir être fiers de moi. J'ai commencé pas plus loin que hier. Il y a quelqu'un à mes côtés, je lui montre.
pas plus loin qu'hier, j'ai commencé Daredevil. Donc j'ai vu qu'un seul épisode pour le moment, mais c'est mon premier Marvel. Donc allez, on m'applaudit. Ouais, mais ça a commencé. Bon, je vais pas vous cacher, j'écoute Daredevil parce que je parle de Punisher. Parce que Punisher, c'est pas mal mon homme du moment. Et là, je vais ouvrir mon sac. Merci. Espèce de bolos. Espèce de bolos. Alors, qu'est-ce que j'aimerais avoir? C'est sûr que j'aimerais en avoir un que je connais. Donc Groot, bah, je le connais pas vraiment, mais Laura m'en parle genre tout le temps, c'est son amour. Pff, être en amour avec un bout de bois, faut le faire quand même. Ensuite, Spider-Man serait bien. Hulk, je connais. C'est tout. Les autres, je connais pas. Il y a une Madame Verte. Ah, il y a Captain America et il y a le renard qui est mignon. Ah, il y a Thor aussi, il est chou. Bref, on va. Ça va au début, j'ai pu vous en aimer plus que deux. Alors dites-vous, dans les commentaires, parce que vous avez vu quand je vous les ai affichés, lequel vous ferait plaisir, lequel que vous aimeriez avoir, votre préféré du groupe Marvel. Et pendant ce temps-là, moi je regarde... Ah, ils nous mettent les mystères. Ouh, le mystère. Alors, papier collant, on va sortir, mon ami, les ciseaux rouges, parce que sinon ça va être compliqué pour rien. Aïe, 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 ok. Ok, on a eu un truc blond, comme ça, je vous montre, je sais même pas qui c'est. Tu sais qui c'est? Moi je sais pas pourquoi il me fait penser au skin de Skinless, donc... on a eu Skinless, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mika il est parti, Mika il s'est barré. Adieu Mika, Mika! Mika, veux-tu voir la pin? Tiens, c'est pour toi! Je te laisse la manger si tu veux. Non, mon chien du coup, il veut pas manger la pine. Il sait que ça va lui faire mal. Bon bref, un petit poil de déception parce que je connais même pas, je pourrais même pas dire de quel Marvel ça vient. Alors que d'autres, j'aurais pu te dire de quel ça vient, mais lui pas du tout. Donc c'est triste, RT. Et en plus, je l'ai vraiment lancé au sol. Ah, l'épingle du mois. Faction, donc il y a le gros panda qui tape le renard. Voilà. Ouais, je me lève en fait, ça me fait faire de l'exercice. C'est cool le home box. Wouhou! Allez, on fait des... Allez, une, deux, trois. Alors, on a un truc Star Wars. Ah, on m'a rendu Skinless, il est revenu. Alors, on a un truc Star Wars, c'est du Hot Wheels et c'est un genre de robot en fait. On va ouvrir ça. On se fout, on s'en fout. Ok, c'est bon. Alors, moi je connais pas Star Wars non plus parce qu'en fait je connais rien. Et là, Mika de revenir. Non mais ce chien il est pas prêt. Parce que moi je connais que dalle. Et là je fais plein de bruit, toujours plus de bruit. Alors, c'est un robot comme ça. Je peux vous l'approcher si vous voulez voir les détails. Voilà, comme ça, avec ça de même. Voilà. Ils m'ont donné un truc en plastique comme ça et un autre truc comme ça. Donc je suppose qu'il faut faire de l'assemblement. Moi je suis douée pour rentrer les petits trucs dans des trous. Ok. Peut-être dans ce sens là. Ouais, en fait moi mes petits trucs, il n'y a pas de sens quand ils rentrent. Hein. Ça rentre, ça rentre. Ah non, c'est peut-être ce sens là alors. Ça ne veut pas rentrer. Ma maman m'a dit si ça rentre pas, pousse plus fort. Donc j'essaie. Non, ça va peut-être de l'autre sens maintenant. Je vais dire ça combien de fois? C'est comme une clé USB. Tu l'essaies d'un sens, ça marche pas. Tu essaies de l'autre sens, ça marche pas. Tu réessaies le premier sens et là ça marche. Ben voilà. Wouhou! Et là, ça, faut rentrer ça ici. Comme ça peut-être. Et voilà. Et là, tu fais tourner le vaisseau. Tourner le vaisseau. Ah, tu fais pas tourner le vaisseau. C'est pas l'idée du siècle. Oupsie! C'est pas moi, c'est Laura. Ok, ensuite. Ah, oh, ça sent bon, voiture. J'espère qu'il sent vraiment bon. Ah, ah en fait. Ça va en fait. Ça me fait penser à Assassin's Creed, mais je suis pas sûre. Je pourrais pas dire qu'est-ce que ça sent, mais c'est une odeur que je connais. Peut-être le melon. Peut-être que ça va le dire dans le truc qu'on lira tout à l'heure. Mmh. Donc finalement sur le coup tu fais ah, mais finalement c'est pas si dur. Et on a eu un autocollant de
ressemble à Splatoon peut-être? Peut-être, peut-être pas. Oh! C'est super coloré! Peut-être pas, peut-être Splatoon, peut-être pas, je sais pas. Je sais pas. Ah, il manque le t-shirt, mais avant de voir le t-shirt, moi je veux voir ça. Donc je confirme, c'est bien Assassin's Creed. C'est écrit Assassin's Creed Air Freshener. Rien ne peut sentir. Ah, de la strawberry! C'est la fraise. La bonne fraise. Fraise et melon, c'est pareil de toute façon, non? Ensuite, ah, il y avait deux objets aléatoires ce mois-ci. Le petit robot qui est malheureusement tombé était aléatoire. On pouvait avoir plein de sortes de vaisseaux. Moi qui connais, ça change rien. Ensuite, ça ici, c'est le Squid Ink. Squid Ink, ça. Donc, ça parle de peinture, donc je suppose que c'est Splatoon. Et l'objet aléatoire, l'autre objet aléatoire qu'on avait, c'était le Lipin. Et celle qu'on a eue n'est même pas dans l'exemple. RT. Et il reste le t-shirt, le fameux t-shirt. Donc, il y a l'air d'avoir de l'eau. D'après moi, ça va pas représenter Splatoon. Et il y a déjà des poils de chien. Non, mais c'est une blague. Je l'ai même pas mis encore, qu'il y a déjà plus de poils de chien que de tissu sur mon nouveau chandail. Pour dormir en plus. Allez. 1, 2, 3, go! Wouhou! Alors, comme d'habitude, je vous attends. J'attends de vous que vous me donniez une note de 0 à 10 pour ce t-shirt. Alors moi, je ne l'ai pas encore vu. Donc, allez, je vous montre un peu plus proche pour les détails. Bon, je suis en train de le voir dans le retour, donc du coup, je triche. Nya-ha, nya-ha. Donc, voilà. Donc, une note de 0 à 10 pour ce t-shirt. Donc, ok, ça a l'air d'être Captain America qui se bat avec Iron Man, qui lui envoie de l'eau. Voilà. C'est comme ça que je résume le t-shirt. Iron Man envoie de l'eau à Captain America. Mais ils sont sympathiques, les bonhommes sont mignons. Ils sont mignons, ils sont mignons, ils sont mignons. Donc je vous le remonte. Last time. Yeah! Ninja! Ninja, ninja! Alors non, malheureusement, j'ai pas le prochain thème et j'ai pas mon téléphone pour aller le chercher. Donc c'est pas grave, je vous mettrai au pire ici, là. Et là. Je vous mettrai l'image du thème. Et nous, bah écoutez, on se dit à très très bientôt pour le prochain unboxing. Donc j'espère qu'il vous aura plu. C'était sympatoche. Vu que je commence un petit peu à m'intéresser à Marvel, j'aurais voulu Daredevil. Vous voyez, ça aurait bien tombé. Ou Groot, ou Thor, ou n'importe lequel qui n'était pas ce truc blanc en fait. Ah, mais il a un arc. Bref, il y a un arc et des flèches. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas comme à votre habitude à laisser le bébé pouce bleu et le bébé commentaire. Et nous, bah écoutez, on se dit à très 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 bientôt pour la suite. Et je vous fais des bisous.